Parmi toutes les histoires de Marseille, il en est une que tout le monde connaît ou croit connaître, c'est celle de l'OM. Raconter cette histoire, c'est cheminer pas à pas sur les traces d'une légende, celle d'un club déjà centenaire. Aujourd'hui, Marseille et l'OM sont inséparables, on ne peut ignorer l'un quand on parle de l'autre, leurs souvenirs sont tellement liés. Au-delà des résultats sportifs, au-delà des buts, au-delà des victoires ou des défaites, des zones d'ombre et de lumière, ce sont les petites histoires qui écrivent la grande. Ces visages, ces noms, s'inscrivent l'un après l'autre dans la ville et dans la mémoire des Marseillais. Une mémoire à mettre à jour et au jour. Une mémoire à partager pour qu'enfin les images s'animent, les regards s'éclairent, les paroles se dévoilent et les héros du stade reprennent vie. L'histoire du football à Marseille, c'est une histoire plus que centenaire. C'est en 1891 que pour la première fois, des Marseillais vont toucher un ballon, qui est un ballon de rugby d'ailleurs. Ce sont des marins anglais qui sont de relâche dans le port de Marseille, qui vont leur apprendre à jouer au rugby, leur apprendre à leur détriment, évidemment, ils ont battu les Marseillais. Alors les Marseillais ont rêvé de se venger. Deux ans plus tard, en 1893, un premier club a relevé le défi, et puis de défi en défi, toujours contre des Anglais de passage, les Marseillais se sont mis à aimer le football rugby, jusqu'à la création en 1897 du Football Club de Marseille, où on faisait de nombreuses activités sportives, y compris ce football rugby. Et puis, petit à petit, on s'est mis aussi à taper dans le ballon, toujours à l'école anglaise. Et les premiers qui ont tapé dans le ballon, un jour, se sont retrouvés les créateurs de l'OM. Ils venaient de ce Football Club de Marseille. Ils ont décidé de changer les structures du club sous la direction de leur ancien président René de Montmirail. Et René de Montmirail donc a créé l'Olympique de Marseille fin 1899. Et les premières parties de football association officielles ont eu lieu en janvier 1900. Petit clin d'œil de l'histoire. Alors que le siècle commence à peine, René Dufort de Montmirail, l'un des membres fondateurs du club, personnalise son cadeau de baptême. Son cachet frappé à ses initiales, DM, ce cachet donne naissance au tout premier logo de l'OM, où le O a remplacé le D, un sigle qui deviendra célèbre comme sa devise, droit au but. Première période de l'OM qui est un peu, je disais sombre parce qu'on sait relativement peu de choses. C'est une période où le club est essentiellement omnisport, il y a beaucoup de sections, de lutte, de rugby, de football, d'athlétisme, etc. Et où le football est assez mal fédéré finalement parce que ce sont essentiellement des matchs amicaux qui se jouent contre des équipes régionales, d'autres clubs de Marseille, il y a le Fossé Club, le Sporting Club de Marseille, etc. Il y a des clubs régionaux, Nîmes, Sète, qui commencent à jouer un petit peu au football, à l'association, comme on dit à l'époque. Mais ça se situe essentiellement dans des joutes amicales. Et ce qui va faire l'OM joue une finale de championnat de France en 1905, mais enfin c'est quelque chose de complètement qui reste dans l'anonymat, même si le fameux archiviste du club qui s'appelait André Gascard avait joué cette finale, que l'OM avait perdu d'ailleurs au Havre contre le Havre, parce que ce n'était pas en terrain neutre. Mais en fait c'est quelque chose de complètement particulier. Et disons que ce qui est le vrai premier grand déclic dans l'histoire de l'OM, c'est la victoire en Coupe de France en 1924. Parce que c'est la première fois d'abord qu'un club régional gagne la Coupe de France, alors qui met un terme à 7 ans d'hégémonie parisienne. Et parce qu'ici, ça prend un retentissement extraordinaire. Il y a, on estime, à l'époque, c'est difficile à dire là encore, mais on estime qu'il y avait 100 000 personnes à peu près qui attendaient les joueurs à la gare Saint-Charles, alors que l'escalier n'était même pas encore construit, le grand escalier de la gare Saint-Charles. Tout Marseille était là, enfin tout Marseille, une bonne partie, la coupe, le président, etc., défilé dans les rues. Et ça part de là, et c'est une époque où l'OM, pour gagner cette coupe, a fait appel à des joueurs parisiens, qui sont Crutes et Boyer, essentiellement, que viendront rejoindre plus tard De Vaquès, qui sont trois très grands joueurs parisiens, trois internationaux. Et c'est avec eux que l'OM va commencer à enlever ses premières victoires, puisque l'OM gagne la Coupe en 24, en 26 et en 27. Et ça, c'est, si vous voulez, la première phase avant le professionnalisme. Parce que, à cette époque-là, les joueurs, justement, deviennent de plus en plus forts, de plus en plus célèbres. Ils ont tendance à être recrutés, comme le fait l'OM vis-à-vis des clubs parisiens. Et c'est une forme de professionnalisme marron qui s'instaure. Et donc, on décide en 1932 de mettre fin à ça et de créer véritablement un professionnalisme.
Donc en 1932, l'OM est un des premiers clubs à adhérer au professionnalisme. Il y a deux groupes pour la première division. Les Marseillais joueront leur premier match à Lille. Ils vont gagner à Lille. Ils gagnent 2-1 à Lille contre Lille qui va jouer la finale du championnat de France et qui va être champion. Et les Marseillais, cette année-là, battront deux fois les Lillois à Lille et puis à Marseille, ils les battront même 7-0. Voilà, ça, disons, c'est la première période, grande période du club, avec déjà de très, très grands joueurs. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se fier aux photos d'époque, aux flottants longs, etc. C'est une époque où il y a déjà beaucoup de public et où les joueurs sont déjà d'un très, très bon niveau. En 1933-1934, hein, j'ai connu, c'était le Boyer, il y avait beaucoup de. On avait beaucoup d'Anglais qui venaient. De Tris, Pritchard, Kells. C'était les trois Anglais qui jouaient l'équipe première avec nous. Puis il y avait des Marseillais, il y avait Durand, le pauvre Raymond Durand. Il y avait. Après on a connu Di Horto, qui était un des grands gardiens. Du Dorto, c'était un monsieur, vous comprenez? Et il y en a eu aussi, alors, les Marseillais, là, les Marseillais d'adoption, comme Ferdinand Bruin. Il y avait, qui y avait encore? Les frères Conchy. Max, Henri, ils sont, tout le monde est décédé, vu, parce que ça mène trop loin, tout ça. D'autre part, le stade n'était pas le stade Vélodrome. On jouait au stade de Livonne. Ce qui était quand même, et là où on s'entraînait et tout. Et c'est même là que nous avons tourné le fameux film, et ils nous avaient tous invités, et nous sommes venus à jouer ce match avec le Fernandel dans les buts. Voilà, alors ça nous l'avons fait au stade Wisson. Mais le public était toujours aussi nombreux, c'est-à-dire en fonction de la capacité de notre stade, et nous avions pu faire quelque chose de... C'était quand même bien. Marcel Adeji semble pourtant avoir oublié cet invraisemblable doublé manqué en 34. Cette année-là, les Marseillais perdent une finale mouvementée contre leur éternel rival Sétois, 2-1 après prolongation. Pour avoir contesté les décisions de l'arbitre, Di Lorto, Zermani et Alcazar récoltent une suspension pour la fin du championnat. Mais cela n'empêche pas l'équipe de France de faire appel à Pepito Alcazar. Le président Enfonso, en colère, démissionne. En championnat, trois matchs restent à disputer. Un seul point suffirait aux Olympiens pour décrocher le titre. Mais ce point, ils ne l'obtiendront pas. Ils chutent lourdement à Lille, puis face au CA Paris, pourtant lanterne rouge, et enfin à Luvonne le dernier jour contre Roubaix, laissant ainsi à 7 le titre après la coupe. L'année suivante, en 1935, l'OM retrouve la finale de Coupe de France. Elle ne sera cette fois qu'une simple formalité. L'OM prend là sa revanche sur le sort et cet invraisemblable doublé manqué la saison précédente. Ces 15 années d'avant-guerre durant lesquelles l'OM enlèvera 5 coupes et 2 championnats seront marquées par la présence de nombreuses stars déjà. Certaines, Charbit, Alcazar, Allé, Zatelli, Ben Barek, Aznar, Bastien, amenés d'Afrique du Nord par M. El Kabach, dont le fils sera célèbre un jour, d'autres recrutés à prix d'or à Paris, mais aussi à l'étranger, comme Eisenhofer, Cohut, inoubliable buteur gaucher, et Vasconcelos, le fantasque et clownesque gardien brésilien. Tous ces joueurs enflammeront après Luvonne le tout nouveau stade Vélodrome, construit en 1937 à l'occasion de la Coupe du Monde. Bon, en 35, il y a eu la Coupe. En 37, on a été champion. Et en 38, de nouveau la Coupe. Moi, je m'arrête là parce que après, évidemment, je n'ai plus. D'abord, la guerre. On n'a pas pu savoir ce qu'il en était. C'était plus la même histoire. C'était plus le même jeu. Puisque les équipes étaient toutes diminuées par le départ de tous les joueurs qui avaient l'âge, notre âge, quoi. Et plus âgés, puisqu'on les prenait jusqu'à peut-être à 40 ans. Il y a eu la guerre et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une équipe avec le papa Robin qui s'occupait et il restait 7 joueurs titulaires d'avant et nous on est venus 4 Marseillais renforcer, jouer quoi, la chance de jouer.
Au Parc des Princes, le Racing Club de Paris rencontre l'Olympique de Marseille, dont les joueurs sont en blanc. Les Parisiens dominent au début, mais ne peuvent soutenir longtemps l'allure rapide que s'était imposée. Le jeu s'égalise. Le Racing semble supérieur en tactique, mais Marseille fait preuve de plus d'autorité dans l'exécution. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici. Après la drôle de guerre où tout le monde campe sur ses positions, la guerre éclair va voir l'Allemagne terrasser la France en un mois. Le 6 mai 1940 se joue la finale de la Coupe. 9 jours après, le 15, l'Allemagne envahit la France. Le 13 juin, Paris est occupé. Et le 18 juin, refusant l'armistice signé par le gouvernement, le général de Gaulle incite les Français à poursuivre la lutte. La finale de cette année 1940 sort de l'ordinaire à plus d'un titre. Tous ses participants ou presque sont mobilisés et ont obtenu une permission spéciale pour venir la disputer. Mais y prennent part également Eden et Jordan, deux Autrichiens qui ont fui le nazisme. Des joueurs israélites qui devront fuir peu après, comme Eisenhower, Donfeld et Weisskopf. Ainsi que Willy Heiss, qui, bien que naturalisé français, sera récupéré de force par la Wehrmacht et tué en combat. Les occupants tolèrent un championnat défiguré et marqué par d'interminables trajets en train. Quant à la Coupe de France, elle continue contre vents et marées. Les stades sont pleins, les matchs sont beaux. Mais concession de taille à l'occupant, la voilà rebaptisée Coupe Charles Simon. C'était un championnat de la zone sud, au stade de Luvonne, où il y avait tous les clubs de Nice, Cannes, toute la région. Ça montait jusqu'à Brive-la-Gaillarde, Lyon, Annecy, qui jouaient à ce moment-là et qui faisaient un championnat assez intéressant. On était 15 ou 16 clubs. Il y avait Toulouse, Nîmes, Alès, Montpellier. Vous voyez toute cette zone du sud, où on faisait un championnat, on disputait un championnat de la France libre. Mais en 1943, la Coupe Enfant Chéri de Marseille va de nouveau sourire à l'OM pour une 6e victoire à épisode. D'entrée, il y a eu un centre de Dard, et moi j'ai marqué le premier et Robin a marqué le deuxième but. Et on est mené 2-0 et en deuxième mi-temps, on s'est laissé un peu aller et ils nous ont remonté. Et ils nous ont payé 2 buts, on a fait les prolongations et on avait des crampes, nous. Enfin, on s'en est bien sorti parce que Delachier, notre gardien de but, il a fait un maximum, il a arrêté des buts sensationnels et on a fait machine après prolongation. Mais c'est pour d'autres raisons que cette finale sera rejouée. La Coupe de France de football née en 19... J'ai eu une ovation à Paris, sensationnelle, parce que, vous savez, j'ai joué pendant 85 minutes avec le bras en écharpe. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de remplaçant. Parce que si je sortais, je jouais à 10. Et comme je ne voulais pas jouer à 10, je suis resté sur le terrain. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de... Alors après, dès qu'il y a eu la libération, ça a recommencé un peu. Alors le football a recommencé un peu à être plus agréable. Le public commençait à revenir. C'était... Et puis, ça ne payait pas beaucoup. Puis après, ça est parti. En 46-47, ça a commencé à partir. 47-48, le championnat de France. On a été champion de France. Grand match de football à Lille entre l'équipe locale et l'Olympique de Marseille qui joue en blanc. Dès le début de la partie, le ballon est disputé avec acharnement, parfois même un peu trop. Et la marque est ouverte en faveur de Lille grâce à un shoot puissant de Barat qui bat Liberati malgré un beau plongeon de ce dernier. Le titre de champion 1948, acquis à Sochaux à la dernière minute du dernier match, déclenche à Marseille un enthousiasme indescriptible. Mais la décennie suivante sera terne. En dépit des talents de buteur de l'inoubliable Gunnar Andersson, d'une finale de coupe disputée en 1954 et de quelques coups d'éclat au stade Vélodrome. Après, ça a été beaucoup plus professionnel. L'argent, bon, il en faut pour avoir une équipe.
c'était trop... Pour moi, c'était un amusement, le football. Et on en a trop fait... C'est devenu trop une affaire commerciale. Et le public qui était moins fanat que maintenant, mais nous aimait bien. Alors il avait ses têtes, il avait ses joueurs qu'il aimait, il n'aimait pas. Moi, il y en avait qui m'adoraient, mais il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas me voir. Ça existe dans tout. Hein. Bon, j'ai la prétention de dire quand je partais avec le ballon, le stade se levait souvent. Et puis à côté de ça, vous en avez un qui n'arrêtait pas de me crier « Feignant, feignant !» C'est l'Olympique de Marseille en blanc qui donne le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France, l'opposant à Nice. Le président de la République et 60 000 spectateurs sont à Colombes. À la 6e minute, descente de Cuissard, qui sert Fontaine. Centre, tête de Nuremberg, but. Nice 1, Marseille 0. Avec l'OM, les finales ne sont jamais banales. Celle de 1954, la première que la télévision retransmet en direct, n'échappe pas à la règle. Pris dans les embouteillages, les joueurs arrivent à Colombes juste avant le coup d'envoi et sont littéralement cueillis à froid par les Niçois. Ils encaissent 3 buts, dont l'un sera refusé dans les 10 premières minutes. Ainsi, et malgré son but, Anderson demeurera un roi sans couronne. Il lance encore une fois Anderson. Saut et but. 2-1. L'espoir renaît au camp marseillais, les drapeaux blancs ressortent. Les dernières minutes sont dramatiques. 22 pieds de l'Olympique de Marseille sautent sans arrêt. L'égalisation paraît inévitable. Mais un retourné acrobatique de Gonzalez sauve la situation. Une tête de Carniglia en fait autant in extremis. Les Niçois sont sauvés. Après avoir dominé au début, ils ont eu de la chance à la fin. Et Cuissard va recevoir la coupe de M. René Coty, qui lui dit « Félicitez aussi vos adversaires ». Affluence considérable au stade Vélodrome de Marseille pour le grand match de l'année entre l'Olympique de Marseille et l'Association sportive de Saint-Étienne. Au coup de sifflet de l'arbitre, M. Lequesne, la partie s'engage. Première attaque des Stéphanois qui échouent sur la défense marseillaise. Et contre-attaque immédiate, la balle est pour Anderson qui veut donner à Rusticelli, lequel est pris à contre-pied. Le ballon sort. Ouvre en direction de Rusticelli. Claude Habbe est le premier sur la balle. Il revient vers la ligne des 17 mètres et dégage. Effort de Rusticelli qui centre remarquablement. Balle interceptée par le demi-centre stéphanois. Et finalement, Claude Habbe doit mettre un corner. Le corner est tiré, Curiel se précipite, Claude Habbe est le premier quand même à réceptionner et à dégager le ballon. 9e minute de la partie, Anderson a bien suivi une balle tirée une première fois, se précipite en avant et marque. L'Olympique de Marseille mène par 1-0. Shoot d'Anderson et c'est le deuxième but de l'Olympique, Anderson ayant été abandonné. 4 buts d'Anderson contre 3 buts de Mekloufi. Ceux qui ont vu l'OM battre les jeunes et talentueux stéphanois en route vers le titre de champion n'ont pas oublié cet après-midi-là au stade Vélodrome. Les Marseillais font le mur, Mekloufi place quand même la balle hors d'atteinte de Domingo, 3 buts partout. À 10 minutes de la fin, on était 3-3. Mekloufi a marqué 3 buts. Et Anderson a marqué le 4e à 5 minutes de la fin. Et ça a été un des meilleurs souvenirs pour la victoire de l'OM ce jour-là, puisqu'on a battu quand même le futur champion de France. Ça a été pour moi un souvenir comme tant d'autres, mais celui-là en particulier. Simple coïncidence ou effet d'un certain magnétisme dispensé à la ronde par le nouvel entraîneur Joseph Zilizi. Zilizi, le vieux mage, est rappelé en vain, 10 ans après avoir conduit les Olympiens au titre. Il évite la descente, mais son successeur, le Suisse Louis Maurer, n'aura pas cette chance. À la suite d'un grand chambardement et d'un recrutement doré, l'OM, qui était le seul club français à n'avoir jamais connu la deuxième division, va y plonger à son tour, à la grande colère des supporters du CRU, qui garderont une rancœur tenace envers Sabi Zaraya. Cette équipe, en l'espace de 3 saisons, va connaître un lent et douloureux déclin, 6e en 57, 16e en 58, 20e un an plus tard. L'investigateur du retour à Marseille, 10 ans après son premier passage, de celui dont on attend la résurrection du club marseillais. En 58, après la Coupe du Monde, j'avais acquis Célestin Oliver, qui était international d'ailleurs à l'époque. J'avais acquis Eschmann, qui était international suisse. J'avais acquis Tillon, qui était international également.
et si vous voulez, à nous donner favori avec Reims. Et malheureusement, on a failli descendre en deuxième division. Malgré un succès acquis d'emblée sur le futur champion niçois, la saison de cette équipe riche mais souvent misérable sur le terrain restera terne. Et quelques sursauts comme ici contre Saint-Étienne n'y feront rien. Alors pour la première fois de son histoire, en fin de saison 58-59, l'OM quitte la première division, la tête basse, quasi abandonnée par son public. C'est que M. Zaria y est allé beaucoup de sa poche. Je me rappelle que le jour où on a traversé le stade ici, parce que le public nous attendait pour nous souhaiter la... pour nous dire tout ce qu'il pensait du match qu'on devait avoir perdu. Il m'a dit, Jeannot, je traverse le terrain, j'en suis de 60 millions de cette époque, et on s'en va tous les deux comme deux voleurs. On a été obligés de passer par la Marbrerie, il y avait des collègues qui nous attendaient avec les voitures pour nous enlever du milieu. Voilà, il y a eu des périodes épiques à l'Olympique de Marseille. Voilà, les périodes noires du club. Le Vélodrome à Marseille, au coup d'envoi donné par les Marseillais du match OM-Nancy. Et nous arrivons à la 9e minute de la partie, Célestin Oliver surprend le gardien Lorrain et par un tir bien placé marque le premier but. Six années de purgatoire vont suivre, entrecoupées d'une seule saison heureuse, celle de 1962, sous la conduite du sorcier brésilien Otto Gloria, qui ramène en vain le club andéen. C'est l'époque où la France est engagée en Algérie. Cette nouvelle guerre commence à faire la une des journaux, et Marseille est aux premières loges. Les clameurs qui résonnent dans la ville ne sont plus celles du Vélodrome, où l'OM s'est échoué en seconde division. En ce printemps 62, ce sont les navires venus de l'autre côté de la Méditerranée qui réveillent Marseille. Dans l'urgence, on accueille ici ces milliers de Français d'une autre terre. Ce sont les rapatriés. C'est une période où le club remonte, redescend, etc. avec Otto Gloria, il redescend l'année d'après. Et puis il est pratiquement à l'agonie quand s'ouvre une nouvelle période de 7 ans de bonheur, on peut dire, avec Marcel Leclerc qui prend le club à l'agonie et qui là aussi va l'amener de façon assez fulgurante, le fait remonter en un an, le conduit à 2 titres de champion, à 2 Coupes de France, à des matchs de Coupe d'Europe. Malheureusement, l'OM à l'époque n'aura pas de chance, il prendra 2 des plus grands clubs de l'époque d'entrée pratiquement. Après avoir battu des Polonais, ils prendront Ajax d'Amsterdam qui était le summum de l'époque. Et puis l'année d'après, la Juventus de Turin, qui elle aussi devait aller en finale de la Coupe. Alors, on ne saura jamais jusqu'où aurait pu aller cet OM de Skoblar et de Magnusson, qui était aussi un très très grand OM. On attendait du Red Star de Paris une production à la mesure de son classement dans cette deuxième division professionnelle. Notre attente fut déçue. Déçus comme vont l'être les supporters marseillais qui, en ce printemps 65, voient leur équipe toucher le fond. Du moins, les 434 courageux qui sont encore là le vendredi 23 avril pour accueillir Forbach dans un stade Vélodrome désert. Avant-dernier en D2, l'OM n'a plus un sou vaillant et s'apprête à mettre la clé sous la porte. Quand un certain Marcel Leclerc reprend les rênes du club. Marseille pour la rencontre qui oppose le Racing Club de Paris à gauche à l'Olympique de Marseille, maillot foncé à droite. Il y avait 5 minutes que le coup d'envoi avait été donné. Le capitaine olympien Gauthier donnait le ballon à Breton. Celui-ci servait Cazolari en profondeur. Le tir de l'avant-centre était contré par Kraft, mais le Marseillais plus rapide suivait et ouvrait la marque. 1-0. L'Olympique de Marseille, littéralement porté par son public, avait mené rondement les affaires. Comment voulez-vous qu'on dise ceci? L'OM de Marseille. De 2 choses l'une, où on s'intéresse pas à Marseille et par conséquent pas à l'OM, mais si on s'intéresse à Marseille, on ne peut que prendre à son compte les sujets d'intérêt des Marseillais, il faut être raisonnable. On ne dirige pas, quand on est un homme comme Gaston Defer, on ne dirige pas la ville contre les goûts de ses habitants. Ainsi, donc je vous répète que là, la puissance de l'OM, elle est avant tout dans le cœur des Marseillais. C'est ça qui la rend intéressante plus que toute autre chose. Stade de Livonne à Marseille. Après un conflit avec Gaston Defer, le nouveau président a choisi de se réfugier dans la vieille enceinte de Livonne, berceau du club. Et c'est là que l'OM, avec un carteron de vieux briscard dirigé par Mario Zatelli, va renouer avec le bonheur. Quand vous voyez les radios trottoirs, par exemple, ou les enquêtes qu'a fait le Provençal, et qu'on leur dit, mais vous allez tenir le coup, vous allez continuer à vous intéresser à votre équipe en deuxième. Comment donc? Plus que jamais. Voilà la bonne réaction de vrais sportifs.
Il y a une nouvelle victoire devant nous, en perspective, allons-y. Ça, c'est les vrais Marseillais. Les Marseillais sont des battants. Battants, ils l'auront été jusqu'au bout, les Olympiens, ce 11 juin 1966, sur leur pelouse fétiche du stade de Luvonne. Sous un ciel d'orage, c'est un sacré quitte au double qui se joue face à Bastia. En cette dernière journée, les deux équipes jouent la montée en D1. Porté par son public et malgré l'expulsion de Fiao, l'OM triomphe 3-0 et permet à Marcel Leclerc de gagner son premier pari. Après 7 longues années, l'OM quitte enfin le purgatoire et s'en va défiler dans les rues. Dans 2 ans, à Marseille comme ailleurs, ce sera mai 68. Près de 20 000 spectateurs s'étaient déplacés hier soir au stade Vélodrome de Marseille pour assister à la rencontre entre l'Olympique de Marseille à droite en blanc et Valenciennes à gauche, maillot sombre. 20 000 spectateurs qui étaient venus retrouver le stade Vélodrome et leur équipe en division nationale. À la mi-temps, égalité 0-0 et nous sommes en deuxième mi-temps et l'Olympique de Marseille va immédiatement porter le jeu dans le camp nordiste. Sur cette remise en jeu, un peu d'affolement de la part des défenseurs valenciennois, une balle en cloche mal dégagée et Joseph, d'un revers de pied, trompe Majira et inscrit le premier but Olympique de Marseille. On préfère les gagneurs, hein, on préfère les grandes vedettes, on préfère les stars, c'était les stars. Et le fait qu'ils aient été étrangers ne les diminuait nullement vis-à-vis d'un public dans lequel il y en avait une bonne moitié, sinon les 2/3, d'origine étrangère eux-mêmes. Le public ne s'y est pas trompé. La rencontre entre l'Olympique de Marseille à gauche et Saint-Étienne en sombre à droite, le leader actuel du championnat, a tenu toutes ses promesses. Certes, la présence de Skoblar a apporté un sang nouveau au sein de l'attaque olympienne et le duel que se livrèrent balle au pied Mekloufi d'une part et le Yougoslave d'autre part réconcilia les spectateurs privés de beau football depuis longtemps. Ce furent les Marseillais qui les premiers inquiétèrent Pierre Bernard sans parvenir pour autant à tromper sa vigilance. La défense stéphanoise, remarquablement orchestrée par Bosquier, se montrait intraitable, notamment dans le domaine des balles aériennes. Skoblar obtenait un coup franc qu'il se chargeait lui-même de tirer, remarquez de quelle façon. Un tir brossé du gauche, tout le monde battu, égalité 1-0. Il y avait fort longtemps que le public n'était à pareil fait. Une fête que l'OM connaîtra en 69, après 21 ans de disette. Josip Skoblar n'est plus là, l'extraordinaire buteur croate est reparti à Hanovre, qu'il avait seulement prêté au club marseillais. Mais Bonnel, auteur de tous les buts décisifs, et Magnusson, l'irrésistible dribbleur suédois, se chargent de conduire au succès une équipe libérée par le départ de l'entraîneur Robert Domergue et le retour aux affaires de Mario Zatelli. C'était un match remarquable et c'est lui qui allait marquer le deuxième but marseillais à la suite d'une montée offensive de Djorkaeff et une déviation de Joseph. Le titre de ce film n'a aucun rapport avec ces stoïques patients que nous avons surpris sous la pluie ce matin, quelques heures après l'ouverture de la location pour le match de coupe retour des demi-finales olympiques de Marseille-Angers. Ce sera, je pense, un gros match et le droit au but, j'espère qu'il sera avantageux pour nous. Le directeur sportif est le porteur du maillot olympien. Avec le recul du temps, pense quoi à la veille, en quelque sorte, de cette finale olympique de Marseille-Girondins de Bordeaux? Ben, ce serait bien qu'après tant d'années, on ramène de nouveau cette coupe sur la Canebière. C'est tellement fantastique, j'en ai vécu deux, c'est même inoubliable. Et mes joueurs ont eu une petite réception hier, qui était, ça se passait avant la finale. Ils se doutent ce qui va leur arriver s'ils ramènent le saladier sur la Canebière. Combien étaient-ils à avoir effectué le déplacement? Peu importe, ils étaient là et bien là. Ceux qui ignoraient leur présence ne pouvaient pas ne pas les entendre. On nous avait bien dit que Paris se mettait parfois en colère. Dimanche matin, personne ne s'écria « Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort ». À 14h30, les joueurs pénètrent sur le terrain. Les visages sont tendus. 17h10, c'est fini, l'Olympique de Marseille remporte sa 7e Coupe de France. Marcel Leclerc a gagné son second pari et tenu la promesse faite à Gaston Defferre de ramener dans les 4 ans
un titre majeur à Marseille. Dans la foulée, avec un Skoblar définitivement revenu d'Allemagne, le club olympien va même retrouver en 71 un titre de champion qui le fuyait depuis 23 ans, puis enchaîner sur un doublé, le premier de son histoire, et accueillir des grands d'Europe comme l'Ajax d'Amsterdam ou la Juventus de Turin. Ces années-là resteront pendant très longtemps et pour presque tous les Marseillais comme les plus belles de l'histoire du club. Que la pâleur de l'éclairage du Stade Vélodrome de Marseille ne nous a pas permis de voir. Skoblar, qui avait la vedette en l'absence du Suédois, allait clôturer la marque de 2 buts signés Josip, le 4e but inscrit malgré une faute préalable de Galina. 5-1, score record de la journée pour l'Olympique de Marseille, qui hier soir a bien préparé son déplacement à Travna en Tchécoslovaquie. L'Olympique de Marseille, à droite en blanc, le leader, était opposé à son dauphin Nîmes, Maillot-Son. Après 10 minutes de jeu sur un premier tir de Skoblar repoussé par Martinelli, Noumi a point nommé récupéré le ballon et... OM Ajax en 71. Avec ce 8e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, la France entière redécouvre Marseille et les enfants du Vieux-Port. La télévision, la mode, la musique, les mœurs, tout explose en ce début des années 70. Et la ferveur méridionale qui habite les supporters marseillais trouve dans ce sport devenu spectacle le moyen idéal de s'exprimer. Hier soir, on a même rebaptisé pour un jour certaines rues de la cité phocéenne. L'occasion est trop belle. L'Ajax d'Amsterdam est le plus grand club du continent, emmené par Johan Cruyff. Il va cette année-là remporter la 2e de ses 3 couronnes européennes. Marseille l'attend, cet Ajax. Le sport va être roi. Et quel que soit le résultat, triste ou joyeux, Marseille aura sa fête. Une fête renouvelée quelques mois plus tard à Paris, cette fois pour la finale de la Coupe de France, la première disputée dans le nouveau Parc des Princes. La grande finale de la Coupe de France, on peut dire la très grande finale, 55e édition entre Bastia et Marseille. L'Olympique de Marseille qui va jouer tout en blanc, donc pas de problème. Voici la composition des équipes. Carnus, Lopez 2, Bosquier 3, Zvinka 4, Kula 5, Grèce 7, Bonnel 9, Novi 6 en milieu de terrain, attaquant Roger Magnusson, Josip Skoblar et Didier Coué. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille essaie de faire le doublé puisque les Marseillais sont champions de France alors que Bastia participe pour la première fois à une finale de Coupe de France. Je pense que les deux présidents de club, M. Leclerc et M. Lorandi, attendent avec impatience ce coup d'envoi. Ils sont aussi très contractés, tout comme les 22 joueurs. Et l'engagement. Le coup d'envoi est sifflé par M. Frossiel. Première attaque par les Marseillais. Oh là là, ça va être difficile. Joli centre de Magnusson, but de la tête. Didier Couécou a marqué ce but sur ce centre de Magnusson. Magnusson. Ah, un seul joueur pour le marquer, ça ne suffit pas. Formidable. De la tête, il y est. Centre de Magnusson, comme tout à l'heure, et but de Skoblar. De la tête, Franceschetti marque sur ce coup franc de Calmette. Voilà, c'est terminé. L'Olympique de Marseille remporte cette 55e finale de la Coupe de France. Voyez les supporters marseillais qui envahissent la pelouse du Parc des Princes. 2-1 pour Marseille. But de Couécou en première mi-temps, de Skoblar en Victor deuxième. Victor Zvinka reçoit la coupe des mains du président Pompidou. Mais Magnusson et Skoblar, indissociables, auront été une fois encore les grands artisans du triomphe marseillais. 44 buts, c'est le record toujours inégalé dans le championnat de France. Réussi par le canonnier yougoslave Josip Skoblar, soulier d'or européen en 71. Un Skoblar, principal bénéficiaire des dribbles déroutants du Suédois Magnusson. Après la grande période très faste du doublé, c'est aussitôt suivi par une grave crise, puisque c'est ce qu'on a appelé la lignée long couteau, le départ de Marcel Leclerc qui laisse apparaître des problèmes financiers assez importants. Donc le club sur la lancée va continuer. Il est encore européen, il tourne encore bien. C'est René Gallian qui devient président.
puis Fernand Méric, parce que René Galliand démissionne à la suite d'une élimination prématurée en Coupe de France, etc. Mais enfin, le club sportivement tourne toujours, même si en coulisses, il y a un déficit qui ne fait que s'amplifier. C'est ainsi qu'en 1975, l'OM est second du championnat, avec Jules Zuanka comme entraîneur. En 1976, l'OM gagne la Coupe de France contre Lyon en finale. En 1977, il y a Skoblar qui revient, non plus comme joueur, mais comme directeur technique. Et là, l'OM fait une très très bonne saison, 1977-78, et il rate de très très peu une place en Coupe d'Europe. Donc tout va bien. Et puis ça commence à se gâter l'année d'après, 1978-79, et puis 1979-80, c'est la descente en deuxième division, qui est suivie l'année d'après, alors que pourtant le club a gardé un nombre assez important de professionnels chevronnés, et qui est suivi par une saison en deuxième division très très moyenne. Le club n'est pas en passe de remonter, et là c'est l'impasse financière totale, c'est la clé sous la porte, et c'est pratiquement la mort de l'OM. On pense que l'OM, là, vraiment va disparaître. L'équipe de Marcel Leclerc connaissait l'an passé la joie d'affronter le champion d'Europe, l'Ajax d'Amsterdam. Mais la personnalité même de Marcel Leclerc ne faisait pas l'unanimité, ni à Marseille, ni au sein du club, et encore moins à la Trois-Vert. Des remous agitaient alors le comité directeur de l'Olympique de Marseille après l'Assemblée générale d'Ajaccio, où des propos assez vifs étaient échangés avec le président Sadoul. Et hier soir, Marcel Leclerc n'était plus président de l'OM, lui succédait René Galliand. Avec un recul de 24 heures, nous pensions pouvoir mieux analyser ce match de Coupe de France entre le tenant à gauche, maillot bleu, et Lille. Hélas, ce n'est pas le cas. Et il est un fait à noter aujourd'hui, c'est l'unanimité chez nos confrères sur la médiocrité de cette rencontre, mais où le jeu des Lillois n'est nullement en cause. En plein zénith, l'OM est en crise. Ce n'est ni la première, ni la dernière fois. Marcel Leclerc s'en va dans des rumeurs de scandale et lentement, le club redescend les marches du pouvoir. Accusé d'entraîner trop durement une équipe vieillissante, Kurt Linder est remercié après une défaite en coupe à domicile contre Lille. Mario Zatelli, l'éternel successeur, réussira à rétablir l'équilibre au match retour puis en championnat. Mais la saison suivante tournera à la pantalonnade avec une élimination prématurée en coupe contre les modestes Biterrois de Joseph Bonnel et un étonnant ballet d'entraîneur. Une raison d'espérer, une raison de se jouer. J'étais le quatrième entraîneur de la saison. C'est pas courant en fait de trouver ça. Et donc j'ai débuté dans des conditions difficiles en 73-74. Si mes souvenirs sont bons, 73-74. Bon, nous avons réussi à sauver le club de la descente et le club est reparti sur de nouvelles bases. Avec un président qui s'appelait M. Méric et qui a fait venir de bons joueurs, notamment les deux Brésiliens, Paulo César et Jair, qui sont restés là seulement un an, malheureusement, et qui ont permis au club de terminer second la première année. Environ 2000 inconditionnels attendaient les deux Brésiliens et c'était pour eux le premier bain de foule. Jules Zuanka, que vous connaissez. Et Claudio Coutinho, dont nous allons. C'était l'occasion pour les deux nouvelles recrues de faire la connaissance des Skoblar, Trésor, Bracci, Leclerc, c'est-à-dire les anciens, et puis des nouveaux, Charrier, Lemay, Vanucci et Nogues. Des flashs qui crépitent, des micros qui émergent au-dessus des têtes, des caméras qui ronronnent. Jair Zino a été accueilli à Marignane comme une grande vedette. Un petit tour, pas plus, et puis s'en vont les vedettes sud-américaines de l'OM. Ils sont doués ces joueurs, ils sont même les premiers champions du monde opérant dans le championnat de France. Ils viennent du pays où le football est roi. Mais ici à Marseille, à des milliers de kilomètres de leur terre natale, les stars du ballon rond dévoilent leurs tics et leurs caprices aussi. Paulo César surtout, le surdoué indiscipliné qui multipliera les frasques et les escapades brésiliennes. Une fois de plus, l'OM succombe, comme il succombera d'ailleurs encore aux charmes trompeurs et éphémères de ces mercenaires du ballon. Car Marseille est accueillante et sa mémoire généreuse. 20 ans plus tard, ici, on parle encore souvent de cette époque brésilienne dont les mois sont devenus des années. Pourtant, l'aventure tourne à court puisqu'elle se solda par la suspension des deux hommes au terme d'une seule saison. Ensuite, sont venus les Argentins
Yazaldé le ballon d'or de l'année avec Nogues. Cette année-là, nous avons gagné la Coupe de France. Donc, sous l'ère de M. Méric, pendant ces deux premières années, l'OM a été deux fois européen, une fois en Coupe UEFA et une fois en Coupe des Coupes. Au stade Vélodrome, les dirigeants de l'Olympique de Marseille s'affairent après avoir joué les Globetrotters. M. Méric est revenu de Rio avec l'assurance que son club va toucher 500 000 dollars du transfert de Paulo César. Mais la nouvelle vedette attendue par les supporters, c'est Yazaldé, l'Argentin de Lisbonne. Tengo mucha confianza, tengo mucha seguridad que el Marseille es un grande equipo y tiene grandes jugadores, voy a poder brillar a la altura de cualquier otro. Il dit qu'il fait aucun complexe et que c'est très bien tout ce qu'il y a à Marseille, il connaît tout déjà. Hector Yazaldé, ou Yazalde comme on l'appellera en France, qui succède au Brésilien, vient de battre avec le Sporting du Portugal le record européen de Skoblar. Il conduira l'OM à un 9e succès en coupe, l'OM qui prendra au passage en demi-finale une revanche sur Nancy, vainqueur en septembre au stade Vélodrome. La tête de Bouygues et la reprise de l'Argentin Yazaldé. 45 000 personnes au Parc des Princes, la marque 0-0. Pour moi, c'est un jour, c'est un souvenir impérissable. Gagner la Coupe de France, je crois que quand je suis arrivé en France en 69, je ne pensais pas qu'en 76, je tiendrais la Coupe de France entre mes mains. Pour moi et mes camarades, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est une saison de sauver. C'était le but que j'ai cherché pendant toute la saison. Il s'est donné juste au moment où il fallait, je suis ravi. Vraiment, je ressens une joie inimaginable. Et je vais fêter ça comme il faut. Affluence des grands jours au stade Vélodrome pour le coup d'envoi de la saison 77-78. Près de 30 000 spectateurs désireux de voir en action l'OM. L'OM nouvelle formule avec le Suédois Linderoth, Berdol et Boubacar. Les lots coups d'envoi donnés par l'arbitre Monsieur Bakou. Les Marseillais en maillot blanc portaient le jeu dans le camp socialien. Deuxième minute, Bracci échoué de peu. Une minute plus tard, action Linderoth, Bollier, Svinka et Boubacar à la conclusion. Réussissait le premier but marseillais de la saison, un but magnifique qui mettait en appétit les hommes de Josip Skoblar. Mais dans le courant de la saison, les résultats étaient ceux que l'on n'espérait pas. L'OM leader, puis second, puis à la lutte pour la troisième place. Jouant par ailleurs sur deux tableaux, les Marseillais étaient éliminés sur leur terrain en quart de finale de la Coupe par Sochaux. Après la victoire 4-0 sur Metz, c'était la défaite à Nîmes, puis de nouveau au stade Vélodrome 1-0 devant 3, et conséquence directe, la non-qualification pour l'UEFA l'an prochain. Alors, en dressant rapidement le bilan, on peut se poser la question, où l'OM a-t-il réellement perdu le championnat ? Il a commencé au club des guerres internes politiciennes, en fait, des problèmes de dirigeants, de présidents, de présidences, qui ont un petit peu noyé le club. Ça se vivait, on vivait très mal, on a très mal vécu cette période-là, parce que on succédait des présidents, des directoires. J'ai même eu un président pendant 24 heures. Vous voyez ce qu'il peut avoir comme autorité au club. Il n'y avait pas de patron dans ce club et on sentait l'équipe tout doucement être livrée elle-même et perdre pied au fur et à mesure. Et ça a été la chute totale. Cette équipe qui était en fait composée d'internationaux en fait, hein. Il y avait des garçons comme Trésor, Six, dont je me souviens d'autres joueurs comme Piet, mon frère, Brassi, qui ont joué tous en équipe de France en fait. Ben, cette équipe ne formait plus une équipe, elle ne sentait plus le public derrière elle, elle ne sentait plus les dirigeants derrière elle et elle s'est sentie à l'abandon en fait. Il y a eu un dernier ressort dans le dernier mois, mais c'était trop tard en fait. L'équipe avait échappé au public. 22 000 spectateurs au stade Vélodrome pour voir l'OM en blanc réussir l'impossible exploit face au co-leader Sochaux. 22 000 personnes qui ont bien cru que les Marseillais allaient pouvoir confondre leurs détracteurs, les pessimistes et surtout les visionnaires de la descente en deuxième division. Deux buts avaient été marqués par Sochaux, mais Anziani comme Ivzik étaient hors-jeu à la conclusion de cette action. Mais comme ce fut le cas tout au long de la saison, les Olympiens ont raté le coche alors qu'ils avaient le match en main.
Le pénalty sifflé par M. Lambert alors que le jeune avant-centre avait été signalé hors-jeu. Six d'un tir puissant mettait le ballon hors de l'encadrement du gardien loubiste. C'était le tournant du match et peut-être de toute une saison. Sur le dégagement du gardien sochalien, cafouillage devant la cage de Charrier, sur le centre de Revelli, Yves Zigdepré obtenait la parité du score. En quelques secondes, l'avenir de l'Olympique de Marseille venait de se jouer. Donc c'est ce qu'on a appelé l'épopée des minots parce que sur intervention de la municipalité et de Jean Sadoul, qui était président de la Ligue à l'époque, on arrive à sauver ce qui peut l'être. Donc on dit il ne faut pas que l'OM meure, il paraît impensable que Marseille n'ait plus de club de football. Donc on arrive à sauver l'OM, mais l'OM n'a plus de joueurs qui sont laissés libres du fait que lorsqu'il y a dissolution d'actifs comme ça, il y a faillite, les joueurs deviennent libres. Et on repart avec des gamins qui, 2 ans auparavant, ont gagné le même jour, c'était un truc assez extraordinaire, en 79, à Amnéville, en Lorraine, le même jour, les juniors ont gagné la Coupe Gambardella et les cadets ont été champions de France, dans le même après-midi. C'est-à-dire que les cadets et les juniors de l'OM étaient champions de France, puisque la Gambardella, c'est pratiquement un championnat de France. Et c'est avec ces jeunes-là que l'OM va se sauver. C'est-à-dire qu'il reste 6 matchs à jouer, il faut absolument finir le championnat. Et ces 6 matchs, eh bien, ces petits Marseillais vont n'en perdre aucun. Ils vont faire des matchs nuls, des victoires. Ils vont même battre Montpellier, qui est premier détaché, qui monte en première division. C'est l'apothéose ici au Stade Vélodrome. Et voilà, et c'est un petit peu symbolique parce que l'OM, qui a toujours été un dévoreur de monstres sacrés, de vedettes, etc., a eu la vie sauve finalement grâce à des petits gamins qu'il avait formés. Aujourd'hui, l'OM est un club misérable avec des tribunes aussi vides que la caisse. Et M. Gaston Defer, député maire, ne fait plus confiance aux dirigeants en place. Il les a mis en face de leurs responsabilités, il exige des garanties. Aujourd'hui, nous n'avons plus de spectateurs et nous n'avons plus d'argent en caisse. Et je dois dire que c'est dramatique parce que sachez que ce matin, avant que vous arriviez, par exemple, on est venu nous demander de payer l'électricité. Nous n'avons même pas l'argent pour payer l'électricité. Cet ultimatum, maintenant, je le prends parce qu'il est nécessaire à la survie du club, mais je crois personnellement que, de toute façon, même si vous connaissez l'ultimatum, il faut trouver 200 millions et la mairie débloquerait 200 millions. Je n'ai pas le droit de gaspiller l'argent des contribuables. Et je leur ai répondu que la ville leur viendrait en aide à condition qu'ils commencent eux-mêmes par faire un effort et d'abord par tenir les engagements pris. M. Carlini avait promis de verser d'abord 1 million, cela a été fait, puis 2 millions, il s'est engagé, cela n'a pas été fait. Il faut donc que les dirigeants de l'OM apportent l'argent et alors la ville de Marseille pourra elle aussi faire un effort. Christian Carlini se démène comme un beau diable pour trouver une solution salvatrice, mais laquelle? L'année où je suis arrivé à Marseille, le club venait de descendre en 2e division et 8 mois après mon arrivée, il y a eu un dépôt de bilan, ce qui, pour des débuts, n'est pas terrible. Et on s'est retrouvé pour la fin de la saison avec l'équipe de 3e division, donc, puisque l'équipe de 1re division avait été licenciée. Et on a été tout de suite devant nos responsabilités. Il a fallu assumer la fin du championnat et sauver le club par nos résultats, puisque le club devait disparaître. Et c'est en faisant donc 6 matchs un petit peu extraordinaire pour l'équipe qu'on avait, qui a fait que le club a survécu, il y a eu des repreneurs et ça a continué. Et je me souviendrai du dernier match contre Montpellier, qui montait en première division, le stade était plein, quoi. Il y avait 35 000 spectateurs. Et pour une équipe de jeunes en 2e division, ça prouvait vraiment que les gens étaient derrière le club et que le club représentait tout pour eux. Ils ont eu peur qu'ils disparaissent et ils se sont tous mobilisés. Broc en jambe de Durand, le voici, et pénalty accordé à l'OM à la 41e minute. Pascal l'a tiré en force, fournissait battu dans le stade, c'est le délire, un but partout, soit le score à la... Quand cette équipe de jeunes a joué son premier match au stade Vélodrome, il n'y avait pas beaucoup de résultats, et il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait au stade avant. Et du jour où l'équipe de jeunes a repris l'équipe, où le club a été un petit peu en danger, le stade était à moitié plein, ce qui à l'époque en 2e division était extraordinaire. 12 000 supporters ont acclamé la nouvelle vague de l'OM pour son parcours sans faute amorcé il y a quelques semaines. C'est comme si un souffle nouveau avait ranimé en moribond, oui,
l'espoir s'est mis à renaître au Stade Vélodrome aujourd'hui. Grâce à cette période, je suis donc resté un petit peu... Enfin, un symbole, c'est un grand mot, c'est ce qui se dit beaucoup, mais bon, je suis resté un petit peu pour eux, le jeune de l'équipe, et ils ne me voyaient pas vieillir, à la limite même. Ils sont étonnés encore de, quand je leur dis mon âge. Pour eux, c'était... ils retiennent l'équipe d'Emile, c'est le nom de cette époque-là, c'est... ça représente un petit peu pour eux, c'est comme si leurs enfants avaient sauvé le club, quoi. C'est des jeunes qui ont sauvé le club, c'est ce que ça représente. Quoi. Monté sur le côté droit d'Anigo, centre pour la tête de Santos qui, sans opposition, trompait Ricard dans la surprise générale que je vous laisse deviner. Longue ouverture de Debono, un nouveau débordement de Santos, le centre très aérien lobait la défense part égale et Pascal ajustait son tir, augmentant par la même son classement de meilleur buteur. Cette action se situe à la 64e minute et la réaction des joueurs du président Bianchi allait être aussi rapide qu'efficace. Mino, ça représente bien ce que ça veut dire. C'est le jeune dans toute sa splendeur dans la langue marseillaise. Donc il fallait trouver un nom et c'était le nom que les gens ont trouvé, que les journalistes ont trouvé et ça restera jamais. Donc Jean Carieux est arrivé, accompagné de Claude Cuny qui à l'époque était à Nancy avec la fameuse équipe. Et ben, il a fallu restructurer le club, il a fallu refaire vivre le club et il a fallu surtout remonter en première division. Quatre longues saisons de D2, dont l'une passée au stade de Livonne, seront cependant nécessaires pour connaître enfin cette joie. Avec une équipe où les derniers des Minots côtoient les Brakchi, Boubacar, Olarivic et Rubio. Le match décisif se joue contre Thonon, dans un stade Vélodrome en effervescence qui voit les hommes de Grand Sart surclasser leurs adversaires 5-0. Jean Carieux, un Pyrénéen patient et obstiné, aura été l'un des principaux artisans de ce retour parmi l'élite. Mais après deux saisons en demi-teinte, il devra passer la main à Bernard Tapie en avril 86, au moment même où l'OM s'apprête à disputer sa 13e finale de Coupe de France. Quelques jours plus tard, Bernard Tapie était plébiscité et devenait le nouveau président de l'Olympique de Marseille. La France recevait Gorbatchev et l'ambassade du RSS. L'époque, donnait un grand dîner officiel pour le président de la République à l'ambassade de Russie aujourd'hui, de Paris. Et c'était la révolution. Déjà fait sans précédent, au lieu d'avoir une table grande comme l'ambassade, où tout le monde était à la queue leu-leu, le changement de régime avait amené un changement dans la manière de recevoir et les gens étaient par petites tables. Donc il y avait une table qui était la table de présidence, où il y avait les ministres, Gaston Defferre, le président de la République, Gorbatchev, l'ambassadeur, et puis le vulgaire Pécus qui était disséminé. Moi, j'étais dans une petite table. Et soudain, au milieu de ce repas, à la fin, alors qu'on en était au dessert, le mot football est sorti. Et là, ça a été comme un miracle, le miracle du Saint-Esprit. Tout le monde s'est compris. Avec des gestes, avec des choses comme ça, deux buts, trois, des noms. Les noms, ça ne se traduit pas, de grandes vedettes. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui parlait devant moi, qui était le plus bel homme de la table, d'ailleurs, le plus séduisant, que je ne connaissais pas. Et j'ai demandé à mon voisin qui est-ce. Il m'a dit, il m'a répondu en russe, tapis. Alors j'ai compris. Et j'ai commencé à parler en français avec l'homme qui était en face de moi, qui était tapis. Et il m'a dit cette phrase, pour moi, il n'y a qu'une seule équipe qui m'intéresse en France. S'il fallait faire un effort pour une équipe, il n'y en a qu'une, c'est l'OM. J'ai dit ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Il me dit parce que c'est une ville qui aime profondément le football. Et je suis allé à la table de la présidence, chose qu'on pouvait faire dans cette ambassade-là, qu'on n'aurait pas pu faire quelques années avant. On aurait eu un gros bras qui vous aurait dit, asseyez-vous, vous êtes sûr que vous n'avez pas une bombe dans votre sac ? Je n'en avais pas. J'ai dit à Gaston Defferre, tu vois là, à cette table, le gars qui est là, avec la belle gueule, c'est Tapie. Ah bon, m'a dit Gaston qui s'en foutait.
Et pourquoi me dis-tu ça? Je te dis parce qu'il est prêt à reprendre l'OM. Ah, ça a fait tilt. J'ai vu Gaston qui se levait. T'allais prendre le café avec lui, lui a donné rendez-vous pour le lendemain. À partir de ce moment-là, l'affaire a été entre les mains de Gaston Defer, qui l'a mené si rondement que 4 jours plus tard, Tapi était à Marseille. Il fallait attendre la bonne opportunité. La situation de Marseille, plus la spécificité de Marseille, m'amenait à penser que c'est là qu'il fallait aller. Fidèle à ma technique, comme tous les gens qui ne savent pas faire grand-chose, ce qui est mon cas, j'ai conditionné mon arrivée qu'à la venue de Michel Hidalgo, parce que lui sait bien faire. Alors Michel a réfléchi un bon moment, et puis quand il a eu réfléchi, il m'a dit « Bon, ben moi ça m'intéresse, si tu vas à Marseille, je vais avec toi. » C'est l'intérêt de tous, l'intérêt de l'OM, de redevenir un grand club, qui gagne la Coupe, le championnat et même les grands matchs européens. C'est l'intérêt de l'image de la ville de Marseille. Artisan de sa venue à Marseille, Gaston Defer n'aura pas le temps de voir à l'œuvre Bernard Tapie. Gaston Defer, qui rêvait tant de voir renaître un très grand club dans sa ville, meurt le 7 mai 1986, moins d'un mois à peine après l'arrivée du nouveau président de l'OM. Celui que les Marseillais affectueusement appelaient Gaston, il était leur maire depuis plus de 30 ans, n'assistera pas à la métamorphose du club olympien. Il ne verra pas arriver ses grands joueurs qui, l'un après l'autre, écriront les plus belles pages de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il y avait le meilleur pour le mettre au service de Marseille et des grandes causes de l'humanité. Marin de son équipage, nous lui devons tous quelque chose. Ne l'oublions jamais. L'Olympique de Marseille, champion d'automne, invaincu sur son terrain, 2 défaites à l'extérieur, est en concurrence directe à chaque rencontre avec les Girondins de Bordeaux. L'OM de Tapie part vite et fort. Le premier match de la saison contre Monaco attire 46 411 spectateurs, chiffre que seul avait dépassé auparavant France-Portugal et OM Ajax. L'OM gagne, mais surtout l'OM fait du spectacle et marque des buts peu ordinaires. Comme la première de toutes les papinades, déclenchée le 20 décembre 86 contre le Racing, la première d'une longue série. Une reprise de volée qui ne laissait aucune chance à Olmeta. Un but que nous revoyons pour la pureté du geste, la conclusion du tir et une satisfaction légitime de l'avancement de l'équipe de France qui semble avoir retrouvé le chemin des buts pour une victoire qui maintient l'Olympique de Marseille à la première place du classement. L'année d'après, l'OM n'est plus européen à cause de sa 6e place en championnat, mais fait le doublé en France. Il gagne le titre, le premier des 5 titres d'affilée, et la coupe en même temps à l'issue d'une finale absolument somptueuse contre Monaco, qui est une des plus belles de l'histoire. Le fameux jour où Papin a marqué 3 buts, etc. Voilà, ensuite ça s'enchaîne, des titres chaque année, avec toujours ce système tapis, la machine avance et on change les hommes constamment. Depuis 1981, il était le responsable du centre de formation de l'OM et il dirigeait également l'équipe de 3e division. Gérard Gilly est après Badin le 43e entraîneur de l'OM.
sentir un petit peu le, les... Serein, je souhaite l'être de façon à ce que les joueurs puissent l'être aussi. Dans la mesure où, vous savez, comme je vous dis, il y a une situation, il y avait un poste qui s'est libéré, je ne sais pas pour combien de temps. Et plutôt que de mettre une personne étrangère qu'on ne connaît pas, bon, le dirigeant, on préférait faire appel à quelqu'un du bâtiment, puisque moi-même, je suis Marseillais issu du club. Et je suis technicien, donc on va essayer de gérer, comme je vous le répète, de la meilleure façon. Un OM au cerf des grands soirs et d'entrée de jeu sur ce centre de Germain Papin. Le premier sonnait la charge sur son camarade Martini. Auxerre, monté de Basile Bouly, le relais avec Mandzuk et la passe en retrait permettait à Mlinarić de donner à Gaëtan Huard le premier frisson de la soirée. La première occasion la plus sérieuse sur ce centre de Dimeco, le ballon récupéré par Bernardet et ce dernier raté l'immanquable, 0-0 score à la mi-temps. Tout allait basculer en deuxième période, notamment sur ce coup franc de Sauzet qui frappait la transversale. Puis venait l'heure de jeu. Pour un coup d'essai, Gilly Rodrigue, en fait, va accomplir un coup de maître. Le doublé coupe championnat 17 ans après celui de Skoblar et Magnusson. Le titre qui s'était dessiné début mai, grâce à un but de Franck Sauzet inscrit à la dernière minute contre Paris, est définitivement acquis 15 jours plus tard face à Auxerre, sous les coups de butoir d'un Papin déchaîné. Auxerre que les Marseillais vont également écarter en demi-finale de la Coupe, avant de vivre l'apothéose du parc, c'est le début d'une période exceptionnelle et d'une série de succès ininterrompus jusqu'en 1993. Tout à l'heure, on nous a dit bon courage. Le courage, il faut l'avoir pour aller à la guerre, pas pour un match de football. Au contraire, il faut qu'il y ait une forme d'exaltation. Les joueurs, c'est une chance extraordinaire de un jour de pouvoir mettre dans son palmarès un doublé. Ils y pensent. Ce 10 juin 1989, la nouvelle équipe de l'OM n'a qu'une idée en tête. Effacer le mauvais souvenir des deux finales de coupe perdues face à Bordeaux en 86 et 87. Marseille retrouve le Parc des Princes pour ce qui restera sans doute comme la plus belle finale de tous les temps dans cette épreuve. L'adversaire de l'OM n'est plus Girondin, mais Monégasque, et il va donner du fil à retordre aux Marseillais. Par trois fois, l'AS Monaco va tromper Gaëtan Huard. Seulement voilà, cette finale, un homme a décidé qu'elle serait la sienne. Cet homme, c'est Jean-Pierre Papin. JPP, intenable, réussit le coup du chapeau. Trois buts à lui tout seul, aux 12e, 22e et 47e minutes. L'autre buteur marseillais sera l'Allemand Klaus Allofs, qui inscrit le quatrième but. Malgré un retard tardif de Monaco, Marseille s'impose 4-3 et s'offre ainsi le deuxième doublé de son histoire après celui conquis en 72. Avec Franz Beckenbauer, appelé à l'automne 90 par Bernard Tapie après le triomphe de l'Allemagne au mondial italien. Pendant cette période-là, la méthode Tapie tournera à plein régime et les plus grands noms du football français et international, comme le fantasque Maradona, viendront résonner autour du stade Vélodrome. Le célèbre Argentin ne signera jamais à l'OM, mais les stars, parmi lesquelles Amoros, Cantona, porteront le maillot blanc, tout comme les Bordelais Giresse et Tigana, précédant de quelques mois leur entraîneur, le sorcier belge Raymond Goethals. La première année, c'est Franz Beckenbauer qui a commencé la saison. Bon, je crois que ça a duré, je pense, 2-3 mois, je ne crois pas beaucoup plus. Et par après, donc, Bernard Tapie m'a appelé. Et, bon, les résultats au début de saison n'avaient pas été trop bons. Il y a eu plusieurs défaites. Bon, l'équipe ne marchait pas. Et puis j'ai repris, je pense que c'est en janvier, que j'ai repris donc l'équipe. Et à partir de là, ben, on a fait un parcours impeccable, on a ramassé la façon de jouer, je connaissais les tendances et les qualités des joueurs de Marseille. Donc quand je suis arrivé ici, ben vous savez, les présentations ont été superflues, pour la bonne raison que les joueurs de Marseille me connaissaient et que moi je connaissais les joueurs de Marseille. Sur ce coup de pied de coin du maître canonnier britannique, encore la tête de Germain 6-0.
Et puis la conclusion logique sur cette parfaite entente Vercruz-Papin. Je pense que le plus grand championnat de France de Marseille a été lorsque nous n'avons pas joué la Coupe d'Europe. Ça, c'était, je pense, 91-92, 91-92, si vous voulez. Et là, c'est parce que là, nous avons fait un parcours, on a fait 58 points avec 3 défaites, comme j'ai dit, c'est même un record en France. Quelques mois après la finale de Bari, l'OM, qui vient d'être classé premier club européen, est éliminé prématurément de la Coupe d'Europe. L'OM concentre désormais toute son énergie sur ce championnat 91-92 et son parcours sera exceptionnel. Seulement 3 défaites en 38 matchs, 11 victoires sur 19 déplacements, meilleure attaque, meilleure défense, meilleure affluence et meilleure représentation en équipe de France avec 8 Olympiens présents sur le terrain lors de la victoire tricolore à Séville, un record. Les records, le club les accumule. Ballon d'or européen à Jean-Pierre Papin, meilleur buteur du championnat. Ballon d'or africain pour Abedi Pelé et Pankina Doro à Raymond Goethals, c'est le numéro 1 des entraîneurs en Europe. L'OM semble donc promis à un nouveau doublé jusqu'à la tragédie de Furiani le 5 mai 1992. Cette année-là, aucun club ne remportera la Coupe de France. Quelques jours avant le drame de Bastia, Jean-Pierre Papin, l'idole du Stade Vélodrome, fait ses adieux à son public. Il dévoile le nom de son prochain club. Ce sera le Milan AC. Parce que je vous dois beaucoup, certainement tout, et que je tenais à vous dire merci du fond du cœur, et surtout que je ne vous oublierai jamais. Vous savez, quand on dit toujours, quand on gagne, on continue à gagner. C'est la soif de gagner. Et croyez-moi, il y avait beaucoup d'ambition, énormément d'ambition, parmi les joueurs, parmi les dirigeants, et surtout parmi les supporters. Quand on a vu ce qu'il y avait comme Marseillais à Munich, vous savez, les joueurs qui sont sur le terrain, ou vous qui êtes sur le banc, mais vous pensez aussi à ces gens qui payent, qui se déplacent, qui dépensent leur argent pour venir voir leurs favoris. Et je pense que ben, ce stade, ça représente un plus. C'est le 12e homme, de l'équipe de Marseille. Quand on joue ici, il y a un 12e homme qui est présent, donc on joue toujours à 12 quand nous jouons à Marseille. C'est vrai qu'il est impressionnant ce 12e homme, qui se compte à chaque match en dizaines de milliers de supporters, jusqu'à 40, 45 000 parfois. Une ville entière pratiquement, qui va porter l'OM jusqu'à son 5e titre consécutif de champion de France, le 9e de son histoire. Cette couronne sera entachée d'une victoire tristement célèbre à Valenciennes, quelques jours à peine avant le grand rendez-vous de Munich, en ce mois de mai 93. Il faut laisser toujours tout dans son contexte. Le football n'est plus le même qu'en 70, en 80, en 90, tout ça a changé. Mais je crois quand même que les dernières années de Marseille doivent avoir été quand même l'apothéose, parce que je ne vois pas ce que vous pouvez faire de plus qu'être champion d'Europe. Je ne vois pas ce que vous pouvez faire de plus. Ben, je crois que la finale, c'est l'aboutissement de 4 ou 5 ans de Coupe d'Europe. On n'arrive pas en finale de la Coupe d'Europe par hasard. On peut arriver en finale de la Coupe de France avec un petit peu de chance. En Coupe d'Europe, je ne crois pas, parce que c'est vraiment une autre dimension. Il faut avoir des échecs, il faut avoir... pour arriver à surmonter ça. Et il y a une sorte d'inconscient collectif, je crois, qui se transmet au sein du club d'une génération à l'autre, puisque en fait ce ne sont pas les mêmes joueurs. Si vous prenez les joueurs qui ont joué la finale de Bari et les joueurs qui ont joué la finale de Munich, il y en avait 3 qui étaient les mêmes. Et les autres n'étaient plus les mêmes. Mais il y avait
en eux cette espèce de force, de sûreté, d'acquis par ceux qui les avaient précédés. Et donc la finale de Munich, ben, elle est la conséquence de tout ça, de tout un acquis durant d'autres années. Les défaites contre Ajax, les défaites de Benfica, les défaites même de Prague, qui a été une leçon très très dure, hein, qui a fait très très mal. Dès la reprise, centre de la Hoff, reprise de Diallo, OM2, split 0. Et la question ambiance, bonsoir. Mars 1991, l'OM va franchir ce soir-là une étape capitale en Europe et rejoindre la cour des grands. On comprend que l'équipe marseillaise peut aller au bout de son rêve, confirmant un fantastique match aller au cours duquel elle aurait pu gagner à San Siro. La formation de Goethals élimine le Milan AC en quart de finale de la Coupe d'Europe. Ce but de Waddle vient concrétiser la maîtrise technique et tactique d'un OM qui n'a plus peur de rien. Milan, le roi déchu, en sera réduit à s'abriter derrière le faux prétexte d'un pylône défectueux pour tenter d'oublier sa déconvenue. La route de la finale est ouverte via Moscou, une finale qui, au-delà de Marseille, va mobiliser la France entière et dont le verdict n'en sera que plus durement ressenti. On va pas être la même musique. Ce qui est le plus important, c'est que l'équipe qui avait joué la finale à Paris n'était absolument plus la même équipe qui a joué à Munich. Pour la bonne raison qu'il y avait eu, je pense, 6 ou 7 changements dans cette équipe. Donc avec 2 équipes presque différentes, on a joué 2 finales. Donc le parcours européen sur le chemin de Munich a très bien commencé avec des très modestes Irlandais de Glentoran que l'OM a battu facilement et là-bas et ici. Ensuite, ça a été Dynamo Bucarest. Là aussi, l'OM s'est qualifié, mais plus difficilement. Il a fallu faire 0-0 là-bas avec un Barthez assez héroïque et puis gagner ici 2-0. C'est un match qui a été un petit peu le révélateur pour Alain Boxy qui ce jour-là a marqué 2 buts et qui à partir de là s'est mis à vraiment être un titulaire incontestable. Ensuite, l'OM s'est qualifié pour la Champions League. C'est la première fois que les Marseillais y participaient. La formule avait été mise en application pour la première fois l'année précédente. Et là aussi,
on peut parler d'une certaine chance dans la mesure où le tirage au sort n'a pas été très très méchant pour eux, puisque ils ont pris, si vous voulez, avec eux les trois concurrents qui, au niveau du prestige et des Coupes d'Europe gagnées, étaient les moins cotés, c'est-à-dire les Glasgow Rangers, Bruges, et puis les Russes de Moscou, qui étaient quand même des adversaires très à la portée. Et à Glasgow, ce soir-là, dans des conditions épouvantables, des conditions vraiment écossaises, c'est-à-dire la pluie, un orage terrible, un terrain glissant, etc., les Marseillais ont sorti un match absolument magnifique, et ils ont mené 2-0, ils ont fait finalement 2-2, et ce soir-là, je crois, l'équipe a pris conscience qu'elle pouvait aller très très loin dans cette Coupe d'Europe. Ça a été vraiment le déclic. Ensuite, tout s'est enchaîné plus facilement, c'est-à-dire que les Marseillais ont battu Bruges, qui était un adversaire relativement moyen, vieillissant, etc. Ils se sont fait accrocher à Berlin par des Russes un peu à la surprise générale, ce qui prouve bien qu'en Coupe d'Europe, il n'y a pas de résultat jamais acquis, d'ailleurs, comme en championnat ou en Coupe. Et puis, ils ont aussi été accrochés ici par les Rangers au match retour. Et ça a été un petit peu là une désillusion, parce que les gens, en gagnant, l'OM gagnait sa place en finale, et tout le monde espérait la fête ce soir-là. Il n'y a eu qu'un match nul, ce qui fait que la fête a été remise et il fallait que les Marseillais aient gagné à Bruges, ce qu'ils ont fait, donc ils ont gagné leur place pour la finale de la Coupe d'Europe. Puis après, c'est monté tout doucement, quoi. On savait qu'il y a eu un compte à rebours, mais tranquille, quoi. Dans une semaine, dans 3 jours, dans 2 jours. Et puis le matin, après, ben, ça a été... On savait que... Je sais pas, c'était un beau rendez-vous, quoi. On y était. C'était un beau rendez-vous, on l'a attendu sereinement. On est tous partis, tout le monde parlait que de ça. Le matin, moi, j'ai pris le tramway pour aller au bureau. Tout le monde se souriait, quoi. Il y avait une espèce d'unité dans la ville, de complicité entre les gens, quoi. Tout le monde se souriait, tout le monde... Parce qu'on savait que, de toute façon, il y avait besoin de toutes les énergies de tout le monde, quoi. Puis après, ça a été l'installation, quoi. On s'est mis... Mon petit frère qui était là a mis l'écharpe sur la télé, pour bénir la télé, parce que ça, c'est un rite, enfin, un rituel. Et puis voilà. Et puis après, ça a été... Après, il n'y avait plus, comme je disais tout à l'heure, plus de notion de temps, quoi. Par charter entier, en train ou en car spéciaux, en voiture et même, tenez-vous bien, en vélo, ce sont 25 000 Marseillais qui ont quitté leurs rues, déserté leur cité, abandonné leurs immeubles, décorés de bleu et de blanc, ornés de ballons, de drapeaux et de banderoles, aux couleurs de Marseille, aux couleurs de la ville de Marseille. Ici, face au noir et au rouge milanais, c'est le bleu et c'est le blanc qui tapissent toute une moitié du stade, avec leurs casquettes, avec leurs écharpes, leurs ballons, leurs fanions. Les Marseillais ont en quelque sorte déménagé à Munich. Ils y ont réinstallé leur quartier d'été, leur quartier nord, leur quartier sud, leur centre et leur 110 villages. Imaginez un peu, imaginez une seconde, Marseille, avec des statues, non, ils ressemblent plutôt à des hommes en passe, qui sait de devenir des héros. Saisissez donc leur regard à ces joueurs. Il est indifférent à l'adversaire, mais pas du tout à la coupe qui trône là, à 2 pas de cette pelouse, qu'ils foulent un à un. Tout comme les Milanais, ils la regardent cette coupe, les Olympiens, ils la fédèrent. C'est l'OM qui engage Pelé, Pelé qui donne un voleur avec une première faute d'Éric Dimeco sur Donadoni, un premier coup franc pour les Milanais. Attention Pelé, eh bien Pelé curieusement ne veut pas le tirer ce corner, mais finalement, c'est lui qui va le faire. Il va placer son ballon tranquillement, il replonge son souffle, Béni Pelé, parce qu'il a beaucoup couru. Attention, Rudy Voleur l'Allemand, le Russe et le Renard est au premier poteau, il y a Basile Boli derrière lui en embuscade. Quel bagarre! Quel bagarre en série pour Marseille est champion d'Europe de football, je vous le répète, c'est historique. L'OM réussit là où depuis 38 ans, tous les clubs français avaient échoué. Oh, quelle fiesta dans les tribunes en bleu et blanc. On crie sa joie, on se prend dans les bras, on saute en l'air et on pleure aussi. Les joueurs courent vers ce public qui n'a cessé de les encourager. Basile Boli exulte et se transforme en mime du bonheur. Je ne pleure plus, dit-il à la foule. Fini les larmes de Paris, envolez les poules. Ces héros, Dame Coupe va voyager à la rencontre des Marseillais pour prolonger la fête, bien sûr. Elle leur doit bien ça, elle nous doit bien un autre tour d'honneur. Un tour d'honneur géant au Vélodrome, parce que ce soir, croyez-moi, il faut encore se pincer un peu pour vraiment, vraiment réaliser ce que viennent de nous offrir les joueurs de l'OM. Il faut encore écarquiller bien grand ses yeux pour ne pas se dire qu'une fois de plus, l'histoire a bégayé. Vous pouvez l'imaginer déjà à la Coupe.
se glisser avec gourmandise au cœur du stade. Vous désirez sans doute qu'elle vienne se poser près de vous comme une bulle délicieuse portée par les joueurs. Alors très bientôt, c'est sûr, vous pourrez la toucher. Je la vois déjà caressée par le public marseillais qui l'a tant attendu. Ce public, eh bien, c'est vous. Regardez-la, touchez-la, gardez-la bien au chaud, au creux de votre mémoire, cette coupe, car cette fois-ci, c'est vrai, elle vous appartient. Il y en avait qui étaient sur les murs là-bas, qui guettaient. Ils étaient sur le petit mur, ils guettaient le parking. Et tout d'un coup, ils ont vu le car arriver. Ils ont dit « les voilà !» Et ça a fait « vouh, les voilà, les voilà, les voilà !» Et ça a fait le tour du stade. Et après, on a attendu la traque qui s'ouvrait plus, qui s'ouvrait, qui s'ouvrait plus. Mais il y avait une intensité qui montait, quoi. Mais il y avait, si on avait mis un intensimètre là au-dessus du stade, mais ça explosait tout. Il y avait une énergie qui sortait, quoi. Je suis sûre que de l'immeuble derrière, on devait voir une espèce de... On devait voir des vibrations sortir, quoi. Et quand la coupe est arrivée, ça a été grandiose, quoi. Ça a été grandiose. Parce que là, la coupe, elle est venue et elle est venue sur le sol, là, sur la terre. Sur la terre du Vélodrome. Nous t'aimons tous. Les clameurs de Munich ne sont pas encore retombées que Boli en soulève d'autres, en donnant à l'OM un cinquième titre dont on ne sait pas encore qu'il ne figurera pas au palmarès du club. Une fois de plus, le triomphe précède la crise. Et quelle crise ! L'affaire OMVA, comme un torrent en furie, va tout recouvrir sur son passage. Le 20 mai 93, le soir du match OM Valenciennes gagné par Marseille, le Valenciennois Jacques Glasman déclare avoir été contacté par les Marseillais Jean-Jacques Edeli et Jean-Pierre Bernès. Les deux hommes lui auraient proposé de l'argent pour lever le pied pendant le match. Jacques Glasman accuse deux joueurs de son équipe, Bruchaga et Robert, d'avoir accepté la transaction. Je ne suis pas au courant du tout, non, ni des raisons, ni du contexte, ni des prolongements. Donc moi j'attends de savoir ce qui s'est passé, on verra bien. Commence par nier, mais un mois plus tard, les enquêteurs retrouvent 250 000 francs enterrés dans le jardin de la tente de Christophe Robert. Au milieu d'une pluie de sanctions, l'arrivée de Sonny Anderson constitue la seule bonne nouvelle de cet automne 93. Elle permettra à l'OM de disputer jusqu'au bout le titre au PSG avant d'être rétrogradé administrativement en D2 le 22 avril 94. C'est le début d'un très long feuilleton judiciaire qui atteindra dirigeants, joueurs, mais aussi bien sûr le club. La FIFA et l'UEFA se sont mêlés parce qu'en France, on n'était pas capable de prendre des dispositions. Donc, plus de Coupe d'Europe, plus de Super Coupe, plus de Coupe intercontinentale, internationale, plus rien, quoi. Rétrogradé en deuxième division. Quand on est descendu en deuxième division, on a gardé un potentiel au niveau joueur, on est remonté. Et puis quand on est remonté, on nous a dit « Bon messieurs, maintenant on va regarder un petit peu les comptes. » Et on est resté encore en seconde division. Le double exploit européen accompli face à Olympiakos par un OM désormais en D2 constitue les derniers feux d'une équipe et d'une époque. Celle de Bernard Tapie, qui quittera le club quelques semaines plus tard. Toujours pour Cascarino. Une fois, deux fois c'est bon et ça fait 3-0. Les Grecs sont affligés. C'est sûr que Tapie n'est pas défendable sur tous les points parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas fait que de belles choses. Mais quelque part, il a su tirer une ville, un club, un pays quoi, au-delà de toute espérance au niveau de l'Europe, au niveau du monde même, du football. Mais au printemps 95, l'OM est une fois encore menacé de disparition avant que la municipalité n'intervienne, ce qui ne l'empêchera pas, fidèle à sa légende, de faire trembler les meilleurs. On a raté le coche, première et deuxième mi-temps, mais l'essentiel, c'est que ce soir on a prouvé qu'on avait la dimension de jouer en première division et on n'a pas vu la différence. C'est ça qui est bien, regardez le public. L'OM de Marcel Dib vient de contraindre Auxerre à la séance des tirs au but en demi-finale de Coupe de France. Auxerre en route vers le doublé, mais dominé durant 90 minutes dans l'ambiance survoltée du Vélodrome. C'est un drôle de métier, hein. C'est des publics qui portent, ça j'ai jamais vu un machin pareil. Bravo.
c'est un souvenir fort. Bien sûr, à l'intérieur de ces deux ans, il y a eu de bonnes périodes, j'ai vu quelque chose de complètement nouveau. Dans un environnement fait pour le football, une ville faite pour le football, un public qui réagit, qui vit pour le football, je n'avais jamais connu ça. Un public qui n'oublie pas d'honorer ses anciens. Ça, il y a eu une bonne idée de rassembler tous les anciens. Le jour même où le vieux stade Vélodrome entreprend de faire peau neuve pour accueillir la Coupe du Monde, le club fige dans le béton les traces de grands joueurs olympiens. Depuis 1995, l'OM est un nouveau club, dont le président délégué est Jean-Michel Roussier. Le public du Vélodrome, dans une ambiance de fête, n'attend qu'une chose, une dernière victoire pour assurer définitivement la remontée en première division. Les joueurs ont l'air bien, ils sont très détendus, ils sont très sereins. Je crois que pour tout le monde, ils ont envie que ce soit une grande fête, donc ça fait un moment qu'elle est attendue cette fête, et puis elle a été longue à venir, donc j'espère qu'elle est pour ce soir. Emmené par Marcel Dib et Bernard Casoni, dont ce sont les adieux au football, l'OM remporte ce match et un nouveau billet pour l'avenir. Deux ans, presque jour pour jour, Bernard Tapie tirait sa révérence et laissait la présidence de l'OM à Pierre Cangioni, qui lui-même l'a cédé à Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, président de la société d'économie mixte qui gère le club et de fait président du club. Robert-Louis Dreyfus, patron d'Adidas, est devenu aujourd'hui le nouveau président de l'OM. À cette occasion, le club passe du statut de société d'économie mixte à celui de société anonyme à objet sportif. Je considère que l'OM fait partie du patrimoine de Marseille. Donc je veux qu'il y ait autant de sociétés marseillaises locales qui viennent dans le capital. Je compléterai la différence. Pour son retour parmi l'élite, l'OM battra le champion en titre Auxerre et le futur champion Monaco, mais connaîtra aussi la plus grande humiliation de son histoire en encaissant un incroyable 8-0 à Lyon en fin de saison 97. Mais l'essentiel est fait, l'OM a traversé l'épreuve et s'affiche quelques mois plus tard en tête de la première division. Éternel OM de tous les extrêmes, de tous les paradoxes, qui fait se côtoyer la lumière et l'ombre, la glace et le feu, pour le plus grand plaisir des Marseillais et qui toujours fait ressurgir le rêve. L'histoire de l'OM, c'est l'histoire d'un club vraiment pas comme les autres. Les grands clubs français, Reims, Saint-Etienne, Lille, ont une histoire ramassée sur 15 ou 20 ans. La particularité de l'OM, c'est que la sienne s'étend sur plus d'un siècle. Car ici, le football a des périodes de pointe, des parenthèses de fièvre, des moments d'absence, mais il est toujours là. Il revit, et surtout il parvient toujours à revenir au sommet. Ainsi va l'histoire de l'OM, imperturbable et se moquant du temps, laissant alors espérer que bien après nous, il y aura toujours de grandes équipes à Marseille.